Oui. On a vu que les emplois de haute technologie, c'était partout en France. Mais comment on dit que les emplois sont situés partout, mais qu'il y a des installations à certains endroits, comme par exemple à Alors, déjà, Grenoble? en es-tu bien sûr que les emplois de haute technologie sont répartis de la même manière sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que tu peux me montrer la couche où vous avez représenté les emplois de haute technologie? C'est celle qui est assurée en fait. Et ça, on comprend pas pourquoi ça nous a mis toute la France en fait. Enfin... D'accord. Alors, en fait, vous n'avez pas réalisé une carte thématique. Je vous montre. Hein. Monsieur, c'est quoi les noms que vous avez dessus? Attends Céline, hein, je suis avec quelqu'un d'autre. C'est ici qu'il faut sélectionner pour faire la carte thématique. Donc, c'est quel indicateur? Est-ce que vous vous rappelez? Non. C'est emploi de haute technologie. D'accord? D'accord. Mais est-ce que vous avez changé la bonne couche? C'est celle-là. C'est celle qui est au-dessus ou c'est Oui. celle... Donc c'est celle-là. Bon. Donc je refais la même manipulation. Voilà. Emploi de haute technologie. Ok. Je fais. Voilà. Ah, Est-ce que d'accord. la répartition des emplois de haute technologie vous semble aussi égale que vous le disiez tout à l'heure? Non. Donc avant de parler de concentration de l'emploi de la haute technologie dans certains lieux, hein, les technopoles, ce que vous disiez assez justement tout à l'heure, il faudrait d'abord regarder cette carte-là et mieux décrire. OK? D'accord. Là, vous êtes allé un petit peu rapidement, mais parce que vous avez fait une petite erreur de manipulation technique. D'accord? OK. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par le nombre d'actifs? Le nombre d'actifs. Hein, qu'est-ce qu'un actif? C'est une personne qui a l'âge de travailler. OK? Pas mal.